Chers pèlerins, chers téléspectateurs, bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Entrée au Carmel de Lisieux à l'âge de 15 ans, elle est à l'origine d'une spiritualité d'enfance spirituelle et d'abandon à l'amour du Père. Elle a été déclarée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 1997. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit, « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans y connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier, et la troisième ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié du jour. Parole du Seigneur. Pour ton serviteur que ton visage s'illumine, pour ton serviteur tes volontés, c'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi ai-je appris tes commandements. Pour ton serviteur que ton visage s'illumine. Seigneur, tes décisions sont justes, tu es fidèle quand tu m'éprouves. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions, tout
Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, devant le bon travail accompli par ses disciples, le Christ ne peut s'empêcher de se réjouir. C'est plus fort que lui. Il rend grâce à son Père
d'avoir révélé aux tout petits ce qu'il cache aux sages et aux savants. Ces missionnaires à lui, le Christ, ce sont des pauvres, ce sont des humbles, des pauvres et des humbles comme le Saint Frère André, ou encore celle que nous fêtons aujourd'hui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les missionnaires du Christ, il est allé les cueillir dans un milieu sans prétention. Ce ne sont pas des diplômés d'université, ce ne sont pas des sommités intellectuelles, ce ne sont pas des gens de renom, mais ce sont de modestes pêcheurs, pour la plupart d'entre eux. Ce n'est donc pas leur science qui peut éblouir les auditoires, mais c'est la vivacité de leur foi. C'est la vérité du message qu'il leur a confié. Bien sûr, les critères d'évangélisation de Dieu ne sont pas les nôtres. Pour connaître le Père, comme pour connaître le Fils, les doctorats, même s'ils peuvent parfois servir, ne sont pas indispensables. Et la longue histoire de l'Église en est la preuve. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits, comme le frère André et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui révèles aux tout petits les mystères du royaume des cieux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Thérèse, et nous te supplions humblement. Tu aimais sa vie simple et courageuse, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous laisse en nous la vie éternelle. Amen. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
anciennes de la communion. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité qui incitait Sainte Thérèse à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les humains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.